Ma Mission TV, le miroir du monde. Solliciter l'autorisation de poursuite contre le gouverneur David Kouyassa dans un dossier opposant le Conseil d'État à l'hôtel de ville de Kinshasa. Comme vous le savez, avant de porter cette question par devant vous, au nom du principe contradictoire, nous avons une grosse haine. Et ces mêmes collègues ont le courage à grand corps. Dire à la télé comment je suis, je viens à la télé que quand il y a paix. Et je rappelle au climat qu'il n'y a jamais eu paix à l'Assemblée. Nos émoluments sont transférés sur nos comptes. Et je mets en garde ses collègues. Comme il est habitué à passer son temps à la télé, à l'Égypte, attaqué par un collègue ivrogne qui est dans cette salle. Collègue, est-ce que vous pouvez retirer chercher votre mot? Je sais que vous avez là avec ces gouvernants, il y a un impératif de délai qui s'impose. J'ai l'impression que quand vous m'envoyez les débats d'aujourd'hui à lundi, c'est que vous m'amenez moi à attendre plus longtemps et quand viendra le moment, le temps de réintroduire et le temps que vous adressez la question avec des barres au gouverneur, nous sommes. Collègue, ma question est celle-ci. Je ne m'en prie pas de façon à vous. À combien chiffres-tu les sources fondables allouées directement au bourgmestre pour l'assainissement régulier de son commune? Continuez, cher collègue. Continuez. À combien chiffre-t-il les ressources FNAC allouées directement au bourgmestre pour l'assainissement régulier de nos communes respectives? Très bien. Voilà. Deuxième question. Ma deuxième question, elle est celle-ci. Car est-ce que les FNAC finance l'opération Kinshasa Bopeto? Dans Kinshasa Bopeto, sa contribution se chiffre à 889 276 024 francs congolais. De vous attaquer aux députés de cette assemblée, moi il m'est interdit d'élever des immunités. J'ai une même question à poser. Je sais pas. Je m'excuse d'avoir réagi. Le premier suppléant de l'honorable Marie Mouani. En conséquence, je le déclare député pour la suite. Ma Mission TV, le miroir du monde. Veuillez vous asseoir, chers collègues. La séance est ouverte. Numéro 8 et 9, itérativement des séances plénières du mercredi 5 mai et du lundi 10 mai 2021. 3. Validation des pouvoirs des deux suppléants. 4. Question orale avec débat adressée au directeur général du fonds d'assainissement de Kinshasa, FONAC en cible.
5, examen et adoption du rapport des travaux de la commission mixte COFIN PAJ sur le projet dédié portant approbation du protocole d'accord de collaboration entre la ville de Kinshasa et la province du Congo central relatif aux modalités de perception de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction. 6. Vote du projet dédié portant approbation du protocole d'accord de collaboration entre la ville de Kinshasa et la province du Congo central relatif aux modalités de perception de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction. 7. Présentation des initiatives législatives. En l'occurrence, la proposition des lignes portant protection et gestion durable des rivières dans la ville de Kinshasa et la proposition des lignes portant modalités applicables aux funérailles dans la ville de Kinshasa. Y a-t-il des objections à cet ordre du jour? Qui sont contre? Abstention? L'ordre du jour est adopté. Et la deuxième, c'est lié à la difficulté que nous avons de fonctionner parce que la PAJ ne nous a toujours pas retourné les rapports des édits. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons fait plus de 10 semaines à la première. Et nous allons après solliciter les quitus de la plénière pour voir comment nous pouvons contourner ces difficultés. Parce qu'il ne faudra pas, après que les mêmes personnes viennent encore dire qu'il y a eu une insuffisance collective en matière législative. Nous avons été saisis par la Cour de cassation qui sollicitait l'autorisation de poursuite contre le gouverneur de la ville de Kinshasa dans un dossier opposant le Conseil d'État à l'État de Kinshasa. Comme vous le savez, avant de porter cette question par devant vous, au nom du principe contradictoire, nous avons invité M. le gouverneur qui avait produit l'arrêté attestant que ce que le Conseil d'État demandait était déjà effectué. C'est ce que nous avons pris là, avec les institutions judiciaires qui avaient estimé qu'on devait transmettre cet arrêté. L'arrêté a été transmis. Nous attendons la suite et le moment venu, vous serez recontacté. À titre d'information, nous avons plusieurs projets de vie qui traînent au niveau de la PAJ. Mais entre-temps, notre session commence à tendre vers sa fin. Il y a des problèmes d'ordre de justice que je venais d'évoquer avec le président de cette commission. Je crois nous allons trouver une solution, mais pour les 10 000 dollars, nous ne les avons pas. Nous rappelons ici que les commissions permanentes, ce sont des organes de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et non des bureaux de conseil. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les 10 000 dollars à donner à cette commission pour faire le travail pour lequel elle a été instituée. Mais seulement le président et les rapporteurs ont posé quand même certains problèmes que nous allons chercher à rencontrer, une déduction de bonne foi, donc que les collègues ne puissent plus leur prêter beaucoup d'intention. Après cet entretien, je crois que nous avons parlé le même langage. Nous n'allons plus recourir au principe qui dit que l'équipe est le plus faire le moins, parce qu'on allait se référer à la manière pour que ces édits soient votés. Il y a une information que je ne pouvais pas vous donner, mais comme il y a certains collègues qui pensent que les mensonges c'est une stratégie politique, nous sommes des fois désolés de donner toutes les informations. Il y a un collègue, il n'est pas dans la salle, je regrette, mais je vais lui adresser une correspondance, c'est probable d'avoir Karimba. Il avait envoyé au bureau un projet de vie. Mais sur le plan technique, chaque fois que nous recevons ce projet de vie, nous le transmettons tout de suite au bureau de vie. Je
sais pas si les détails sont dans la salle. Les rapports qu'il m'a fait, c'est que le projet était mal rédigé. S'il est dans la salle, je ne sais pas, il est là. Voilà. Alors je lui ai demandé de mettre par écrit ce qu'il appelait mal rédigé. Et je vais retourner ce projet à notre collègue pour qu'il entre en contact avec le bureau d'études. Je donne cette information parce que je ne voudrais pas encore qu'on vienne dire que le président avait prouvé, ce n'est pas dans mes habitudes. Et j'ai demandé au directeur du bureau d'études de mettre par écrit ce qu'il entendait par mauvaise présentation. Ce que nous devons savoir qu'en matière de rédaction, chacun a son goût, chacun a son style. C'est pourquoi j'ai demandé qu'ils harmonisent avec mes collègues et nous allons transmettre à l'exécutif pour ces observations telles que prévues par le règlement intérieur de l'Assemblée. Moi, je ne partage pas d'emblée ce point de vue que c'était mal présenté parce que même dans les mémoires, ce qui peut passer dans la vie universitaire peut être réclamé dans une autre. Donc, à chacun son style. Si je donnais cette information, c'est pour éviter qu'un jour, on vient de dire que le président avait bloqué un projet. Et le directeur du bureau d'études, il est vivant, tous ceux qui veulent savoir plus, peut les contacter. Honorable rapporteur, que vous avez la parole. Depuis le début du mois de mai, que deux d'entre nous ont été appelés à d'autres fonctions à l'exécutif provincial. Il s'agit bien de l'honorable Mouabi et l'honorable Kassiz. Cela a poussé le président du bureau à instruire au secrétaire provincial de transmettre à la commission PAJ les dossiers de leur premier suppléant pour clarification. La commission a travaillé avec plusieurs difficultés, sans argent, comme venait de le dire l'honorable Jérôme. Mais nous avons produit un rapport et je demande à l'honorable rapporteur adjoint, faisant office du rapporteur de la commission PAJ, de pouvoir présenter l'économie générale de notre rapport. Merci, monsieur le président de la PAJ. Je comprends bien votre émotion. Et j'apprécie la passion que vous avez pour la ville de Kinshasa. Ne vous laissez jamais intoxiquer par l'honorable Jekoko. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, voici le rapport sur la validation des pouvoirs des deux suppléants. Introduction. L'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a transmis à la commission politique, administrative et juridique les dossiers des deux premiers suppléants pour vérification. Pour bien accomplir sa mission, les dossiers provenant de la commission électorale nationale indépendante des deux premiers suppléants ont été transmis à votre commission le 7 mai 2021. Et ensuite, en date du jeudi 13 mai 2021, votre commission a procédé à la vérification des deux dossiers des intéressés. Il s'agit de messieurs Mouabi Kibwabi Nganima Steph, premier suppléant de l'honorable Mouabi Touma Kimalanzi Marie, nommé directeur général adjoint à la direction générale de la publicité extérieure de Kinshasa. Monsieur Mafolo Kinki Kevin, premier suppléant de l'honorable Kassinzi Mafolo Joseph, nommé directeur général adjoint à la direction générale des recettes de Kinshasa. De la participation. Ont participé aux travaux de votre commission, les membres dont les noms suivent. Honorable Kalonji Chibang Samuel, président. Honorable Mudisimbo Roméo, rapporteur adjoint.
Honorable Chibalabala Kukinaï Francis, membre. Honorable Moulumba Kongolo Wakongolo Gérard, membre. Honorable Isoke Luzungu Jin, membre. Honorable Bayaboudila Vibudulu Rifin, membre. Honorable Kazadi Kakonde Peter, membre. Votre commission a bénéficié de l'assistance des experts de l'administration dont les noms publics. Monsieur Matuka Alphonse, coordonnateur du bureau d'études. Monsieur Mengama Bukunaton, chef de section. Monsieur Massemboa Libotolo Dadi, chargé d'études. Monsieur Botololo Bogaz, chargé d'études. Monsieur Kalala Chiluka Arnaud, chargé d'études. Monsieur Bechino Jordan, secrétaire de séance. De la méthodologie du travail. Votre commission s'est servie de la méthodologie consistant à la vérification minutieuse des pièces versées dans les dossiers des premiers suppléants appelés à remplacer les honorables députés se trouvant actuellement dans les cas d'incompatibilité prévus à l'article 107 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. De la documentation. Au cours de sa séance de travail, votre commission s'est servie des documents ci-dessus. La Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 011-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution. 2. La loi numéro 06-006 du 9 mars 2006. Portant organisation des élections présidentielles, législatives, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées par la loi numéro 11-003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15-001 du 12 février 2015 et la loi numéro 17-013 du 24 décembre 2017. Le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'arrêté de nomination des deux directeurs généraux adjoints. Du déroulement des travaux. Les travaux de votre commission se sont déroulés au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, au local du bureau d'études le jeudi 13 mai 2021. Sous la direction de l'honorable Kalonji Chibangu Samuel, président de la commission politique, administrative et juridique, de la vérification des dossiers des premiers suppléants. Votre commission a vérifié les dossiers, votre commission a vérifié les pièces versées dans les dossiers des suppléants. Il s'agit de M. Mwabi Kimwabi Nganema Steve, premier suppléant de l'honorable Mwabi Touma Kimalanzi Marie, né à Kinshasa le 13 août 1987, résident sur l'avenue commerciale numéro 279 au quartier 7 dans la commune de Djili, ville de Kinshasa, fils de messieurs Kimwabi Domo Dias Géry et de Madame Zouzi Basaoula Joséphine. Numéro de la carte d'électeur 20-22-00-20-570 de la nationalité congolaise. Il est gradué en gestion pétrolière de l'Institut du pétrole et gaz. Deuxième suppléant, M. Mafolo Kinki Kevin, premier suppléant de l'honorable Kassinji Mafolo Joseph.
Je salue la présence des combattants de l'IDB. Géraldine, numéro la carte électorale 20, 25, 28, 48, 551. Et nationalité congolaise. Il est diplômé d'État à la section scientifique option chimie biologie, institut bilingue. Il faut vous allez corriger après, il est licencié à la marque je crois. Donc merci. Ça, vous allez conséquence du produit j'appelle. Vous pouvez continuer, ce n'est pas de votre faute. Ce sont des choses qu'on va régler avec l'administration. À la lumière de ces éléments, votre commission a estimé que toutes les conditions pour la validation des pouvoirs sont réunies et à l'unanimité de ses membres ont jugé recevable leur dossier. Par conséquent, votre commission demande à l'Assemblée plénière de procéder à la validation des pouvoirs en qualité de députés provinciaux les personnes dont les noms suivent. Monsieur Mwabi Kimwabi Ngaliéman Steve, Monsieur Mafolo Kiki Kevin. Telle est la substance du présent rapport que votre commission soumet à l'auguste assemblée en lui demandant de l'adopter à l'unanimité, faite à Kinshasa le 14 mai 2021 pour la commission PAJ Kalonji Chibangu Sami, président, Moudissimbo Roméo, rapporteur adjoint, Chibalabala Francis, membre, Isombe Luzungu Jim, membre, Moulumba Gérard, Congolo, membre. Merci. Merci. Merci, honorable. C'est tout pour les signataires. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Ils ont travaillé sans argent. Encore une fois, les plus. Merci beaucoup. On en tiendra compte. Honorable député, chers collègues, vous venez de suivre concomitamment l'intervention du président de la commission et du rapporteur que l'Assemblée se prononce quant à ces. Honorable député, chers collègues, après la présentation de l'économie générale suivie de la lecture intégrale du rapport, j'ouvre le débat général. Ces des honorables députés ayant des préoccupations à soulever peuvent se manifester. Les députés, maintenant qu'on n'a pas enregistré les observations, je vais poser la question de savoir si nous pouvons adopter les rapports sous examen. Qui sont pour? Le rapport de la commission PAJ sous examen est adopté par l'Assemblée plénière. Honorables députés, chers collègues, il ressort des conclusions du rapport de la commission que les dossiers des deux suppléants ci-dessous répondent aux critères requis pour la validation de leur pouvoir. Il s'agit de M. Mafolo Kikekevin, suppléant de l'honorable Kasinzi et M. Steve Galiéma Mwabi, le premier suppléant de l'honorable Marie Mwabi. En conséquence, je le déclare député provincial. Parmi nous.
Mes sincères félicitations. Vous pouvez l'exprimer. D'ordre financier et matériel récurrent auquel
elle fait face dans l'exercice de sa mission. Plusieurs questions s'imposent à nous, dont certaines prises ci-dessous auxquelles nous vous invitons à répondre. 1. Pouvez-vous nous fournir la liste exhaustive de tous les partenaires et services qui alimentent par la contribution des comptes des FONAC que vous gérez? À quelle hauteur fixez-vous le niveau moyen de ces prévisions annuelles et quelles en sont les bases de calcul? 2. Quel a été le niveau de réalisation de vos recettes par rapport aux assignations au cours de l'exercice 2019-2020? 3. Par quel mécanisme les fonds sont-ils mis à la disposition de la RASCI? Combien de versements avez-vous effectué au bénéfice de la RASCI au cours de l'exercice 2019 et 2020 et premier trimestre 2021? 4. Est-ce que les FONAC financent l'opération Kinshasa-Bopeto? Si oui, quelle année hauteur depuis le début? 5. Combien les marchés versent-ils mensuellement et ou annuellement au titre d'assainissement sur les comptes de FONAC? Dans quelle banque ces comptes sont-ils ouverts et combien sont-ils? 6. Pouvez-vous nous fournir la liste détaillée des versements effectués par le marché au profit des FONAC au cours de l'année 2020 et au premier trimestre 2021? À quoi ont-ils servi? Pouvez-vous nous fournir les traces comptables de leur affectation? 7. Sur instruction du gouverneur, il vous a été recommandé de travailler avec le marché de la liberté dans le cadre des opérations d'assainissement. Un montant évalué à 101 315 500 francs congolais, l'équivalent de 54 521 dollars, a été mis à votre disposition par le marché de la liberté pour ce faire. Il semble que rien n'a été fait. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur cette somme et son affectation? Nous vous serions prêts de bien vouloir répondre à toutes ces préoccupations dans les délais prévus par votre demande intérieure afin de permettre aux jeunes provinciaux que nous sommes de réfléchir sur les options à lever et les recommandations à faire pour vous garantir l'efficacité dans l'exercice de la mission qui vous a été confiée. J'ai dit, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Nous parlons au destinataire de la question orale avec débat, monsieur le directeur général du FONAC, pour la réponse. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, par la lettre numéro 722. Par... Monsieur le président. Honorable Samy, monsieur le directeur général, vous devez attendre parce que chez nous, la motion en plénière se tourne. Merci beaucoup, honorable président. Nous nous rendons compte que vous avez accordé la parole, et plutôt la parole au DG, pour pouvoir répliquer. Mais les honorables députés n'ont pas les documents du DG. Alors, ça réplique. Oui. Okay. On a... Nous devons avoir les documents très, très pour suivre de près sa réplique. Très pertinent. Merci, président. Très pertinent. Merci. Non. Moi, il m'a été déposé un document volumineux. Et vous le savez que pour ce genre de questions,
c'est le destinataire de la question orale qui multiplie les documents pour les députés. Je crois que la remarque est plus que pertinente. Monsieur le directeur général, donc avant de continuer, il faudra nous dire pourquoi ce document n'a pas été multiplié pour tous les députés. Merci, Président. Merci beaucoup, collègue Samir. Merci. Donc, quand on est ici, on pense que tout le monde est servi de la même manière que vous. Merci, Président. À mon humble avis, je croyais que le document devait être remis aux membres du bureau, ainsi que au député qui a posé la question. Je crois que c'est par manque d'information que nous avons failli à cela. Monsieur le Président de la PRJ, qu'est-ce que vous nous conseillez au stade actuel? Bon, vous pouvez prendre la parole. Vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup, honorable président. La photo est consommée, les carottes sont cuites. Nous demandons au DG d'évoluer. Merci. Merci beaucoup. Merci, président, pour la compréhension. Par la lettre numéro 722/13/APK-GMK-05/2021, 13 mai 2021, l'honorable président de notre auguste assemblée m'a transmis la question orale avec débat m'adressée par l'honorable Moukébaï Osso U. Michel Maille. C'est ici l'occasion et le lieu pour moi de remercier l'auteur de la question pour m'avoir offert l'opportunité de m'exprimer à l'ensemble des Quinoises et Quinois par le biais de l'Assemblée provinciale. D'entrée de jeu, permettez-moi d'exprimer du haut de cette tribune le sentiment de redevabilité qui m'anime au moment où je suis invité à éclairer pour la deuxième fois la représentation provinciale sur la même question, à savoir la gestion des fonds mis au profit de l'assainissement de la ville de Kinshasa. À ce sujet, au mois de mai 2019, j'étais devant vous à la suite de la question orale avec débat m'adressée par l'honorable Issam Mouteba Philippe. Sa préoccupation avait porté notamment sur la gestion des fonds mis à la disposition du FONAC par les partenaires et organismes publics pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Sur la gestion des crédits budgétaires destinés à la racine par l'entremise du FONAC. Sur la gestion des frais d'étalage des marchés urbains et assainis. À l'issue des débats, votre auguste assemblée avait diligenté une mission de contrôle au courant du même mois et dont le rapport a été adopté et des pertinentes recommandations ont été formulées. En 2020, trois missions de contrôle parlementaire ont été diligentées au FONAC et toutes ont abordé les mêmes sujets. Au terme de l'édit 003/2013 du 9 septembre 2013 relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa, ainsi que les autres textes réglementaires organisant le fonctionnement du FONAC. Le FONAC est un service public à caractère technique, doté d'une autonomie administrative et financière, ayant pour objet d'assurer le financement des opérations et des activités liées à l'assainissement et à la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa, au moyen des ressources mises à sa disposition qui proviennent de 1. Allocation budgétaire. 2. Appui du gouvernement central. 3. Prélèvement des taxes, droits et redevances liées à l'assainissement et à la protection de l'environnement. 4. Produit de la taxe d'assainissement provenant des marchés. 5. Droits et redevances liées à la salubrité publique et services environnementaux. 6. Produit des amendes transactionnelles relatives aux contraventions en matière d'assainissement prévu par les textes légaux et réglementaires en la matière. De ce qui précède, le FONAC n'est pas une régie financière, c'est-à-dire
un service de mobilisation des recettes. Mais du moins, se fait fort d'accompagner les actions visant la mobilisation des ressources, et ce, à travers des initiatives de textes, des rencontres de haut niveau et des participations à des modélisations de planification stratégique. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, après cette brève introduction, voici à présent les réponses aux préoccupations de l'honorable Moukébaï. Première préoccupation. Pouvez-vous nous fournir la liste exhaustive de tous vos partenaires et services qui alimentent par leur contribution les comptes du FONAC que vous gérez? À quelle hauteur fixez-vous le niveau moyen de vos prévisions annuelles et quelles en sont les bases de calcul? Pour votre gouvernement, depuis le 26 janvier 2019, les contributions volontaires mises à la disposition du FONAC par trois entreprises publiques, à savoir FPI, OCC et OGFM, ont été suspendues jusqu'à ce jour, faisant suite à la mauvaise interprétation du communiqué du directeur de cabinet du chef de l'État, adressé aux membres du gouvernement et aux dirigeants des entreprises, établissements et services publics, suspendant les recrutements et mises en place du personnel, ainsi que les engagements et liquidations des dépenses autres que celles liées aux charges du personnel. En annexe 5, vous aurez tous les documents y relatifs. Ces contributions étaient de plus ou moins 100 000 $ par mois. À notre niveau, nous avons adressé plusieurs correspondances à ces entreprises pour qu'elles reprennent leurs contributions, mais elles ont toutes fait la sourde oreille. L'annexe 6 peut en témoigner. Alors, en ce qui concerne les prévisions annuelles que nous avons eu à faire, pour le CC, c'était 600 000 $, pour le FPI, 480 000 $ et pour le GFREM, 13 200 $. La base moyenne était pour l'OCC 50 000 $ par mois, pour le FPI 40 000 $ par mois et pour le GFREM 1100 $ par mois. Deuxième préoccupation, quel a été le niveau de réalisation de nos recettes par rapport aux assignations au cours de l'exercice 2019-2020? En 2019, les assignations budgétaires du FONAC était de l'ordre de 9 432 330 francs congolais et pour 2020, 40 033 620 431 francs congolais. Les réalisations pour 2019 étaient à hauteur de 2 983 489 881, soit un taux de réalisation de 32,43%, et pour 2020, 1 032 501 573, soit un taux de réalisation de 2,58%. Les assignations de 2019 traduisent les débuts difficiles du FONAC, qui était quasiment sans ressources. En 2020, avec la contribution des marchés, l'appui du gouvernement central et la certitude que toutes les taxes liées à l'assainissement et à la protection de l'environnement seraient retrocédées, le FONAC s'est permis d'avoir des assignations à hauteur de 40 milliards de francs congolais. Malheureusement, toutes ces provisions ne purent se réaliser. Il en résulte ainsi un faible niveau de réalisation enregistré au cours de cet exercice, dû essentiellement à la pandémie COVID-19. Pour rappel, c'est au mois de mars 2020 qu'on a eu à proclamer la pandémie et la paralysie de presque toute l'économie de la ville de Kinshasa. Troisième préoccupation, par quel mécanisme les fonds sont-ils mis à la disposition de la RASCI? Combien de versements avez-vous effectué au bénéfice de la RASCI au cours de l'exercice 2019-2020 et au premier trimestre 2021? Pour ce qui est du mécanisme de mise à disposition des fonds à la RASCI, cette dernière, c'est-à-dire la RASCI, transmet un état de besoin
au ministre provincial ayant en charge de l'environnement, qui, après validation, le transmet à son tour au FONAC pour exécution si la trésorerie le permet. En ce qui concerne le nombre de versements, en 2019, le FONAC a effectué 101 versements en faveur de la SKIN. En 2020, il y a eu 5 versements en faveur de la SKIN, justifiés par la pandémie Covid-19 qui a paralysé l'économie de la ville de Kinshasa. Et au cours du premier semestre 2021, FONAC a déjà fait 7 versements en faveur de la SKIN. Quatrième préoccupation. Est-ce que le FONAC finance l'opération Kinshasa de Peto? Si oui, quelle est la hauteur depuis le début? Lors de son investiture devant votre auguste assemblée, son Excellence le gouverneur de la ville avait soutenu que le programme du gouvernement provincial de Kinshasa 2019-2023 est le fruit de sa vision qui se résume en Kinshasa pour Peto, pour une métropole attractive, rayonnante et résiliente, offrant un cadre de vie axé sur le mieux-être des Kinoises et Kinois. C'est pour dire que Kinshasa Bopeto ne se résume pas qu'en l'assainissement de la ville. Il prend en compte 5 axes prioritaires qui sont censés concourir à la matérialisation du programme quinquennal du gouvernement provincial si énoncé. Il s'agit des axes ci-après. La gouvernance et la sécurité, l'assainissement et la protection de l'environnement, l'amélioration de la qualité et de l'accès aux services sociaux de base, la modernisation des infrastructures de base, le développement des activités économiques et création d'emplois. En ce qui concerne la participation du FONAC dans Kinshasa de Bopeto, sa contribution se chiffre à 876 024 francs congolais au travers des actions suivantes: évacuation des marchés, transfert pour compte Fraski, entretien et réparation du matériel roulant, travaux d'assainissement et la sensibilisation. Cinquième préoccupation: combien les marchés versent-ils mensuellement et/ou annuellement au titre d'assainissement sur le compte du FONAC? Dans quelles banques ces comptes sont-ils ouverts et combien sont-ils? À ce propos, les versements des marchés s'effectuent quotidiennement. Donc c'est chaque jour que les marchés versent l'argent dans le compte du FONAC par un proposé du marché dans le compte du FONAC ouvert dans les livres d'affilée intitulé « Fonds d'assainissement de Kinshasa ». Aussi, je voudrais vous donner le mode de calcul qui s'opère par rapport à ce qu'on appelle l'effet d'étalage. Au niveau de chaque marché, il est collecté l'effet d'étalage tous les jours. Une quantité a été dégagée de cet effet d'étalage au titre de contribution à l'assainissement des marchés. De commun accord, il a été convenu ce qui suit. Pour les marchés urbains, les frais d'étalage sont à hauteur de 300 francs congolais. Et de ces 300 francs congolais, on dégage 110 francs congolais pour l'assainissement. Et comme je viens de le dire, cette opération s'effectue tous les jours. Aussitôt collectée en fin de journée, quand l'administrateur du marché clôture sa comptabilité, le lendemain, il envoie son préposé payer, versé dans le compte du FONAC, le montant retenu pour l'assainissement. Alors, de ce calcul opéré, j'ai dit pour les marchés urbains, c'est 300 francs, mais pour les marchés municipaux, c'est 200 francs congolais. Mais les marchés municipaux, en principe, ce qui est collecté est versé, est partagé entre la commune, le marché et ainsi que la brigade de salubrité communale. Alors, pour les marchés concernés qui devaient verser la quantité d'assainissement au FONAC, nous avons le marché central qui devait verser par jour 1 200 000 francs congolais.
le 1 200 000 francs congolais est calculé de cette façon-ci. La quotité à verser pour le 110 est de 110 francs congolais, multiplié par le nombre de tables ou d'étalages. Et ce nombre de tables et d'étalages, il a été déclaré par les administrateurs des marchés eux-mêmes. C'est ainsi que pour le marché central, c'est 1 215 000 francs congolais par jour. Maintenant, ces versements journaliers, si nous le reportons sur un mois, ça donne la situation suivante. Si le marché central respecte les engagements pris, c'est-à-dire de verser chaque jour le 1 200 000 francs congolais, à la fin du mois, ça devrait donner 27 600 000 francs congolais à verser dans le compte du Fonac. Pour Kato, 4 600 000, Liboulou, 460 000, Chimanga, 460 000, Gambela, 7 590 000, Kassavubu, 7 590 000, Liberté, 25 300 000, Sikida, 920 000, Matete, 2 300 000, ce qui fait que par mois, tous les marchés qui font partie de ce programme, le total de leur versement au mois serait de 76 820 000 francs congolais. Sixième préoccupation. Pouvez-vous nous fournir la liste détaillée des versements effectués par les marchés au profit du FONAC au cours de l'année 2020 et premier semestre 2021? À quoi ont-ils servi? Pouvez-vous nous fournir les traces comptables de leur affectation? Le tableau que je vais vous énumérer ci-dessous reprend la liste détaillée des versements effectués par les marchés au profit de l'assainissement dans le compte FONAC au cours de l'année 2020. S'agissant du premier semestre 2021, aucun versement n'a été enregistré. Les versements qui ont été effectués dans le compte du FONAC avaient servi au financement des opérations d'évacuation journalière des déchets des marchés contributeurs dont les traces comptables sont à l'annexe 8. Alors, je vous donne les détails des versements des marchés ainsi que les montants qu'ils doivent par rapport à ce que je vous ai dit, ce qu'ils devaient verser mensuellement. Le marché central, je vous ai dit, devait verser au cours du mois de janvier 27 600 000. Le marché central a versé 2 970 000. Et le marché central doit 24 630 000. Pourquoi je dis doit? Parce que c'est chaque jour que les administrateurs des marchés collectent les frais d'étalage. C'est chaque jour. Mais malheureusement, comme vous l'avez constaté, comme vous le constatez avec moi, durant ce mois de janvier, ou 23 jours ouvrables, le marché central a versé 2 970 000. Et ces traces, vous pouvez les trouver aussi bien au niveau de la comptabilité de marché qu'à notre niveau, parce qu'ils versaient à la banque. Le marché de Kato, 4 600 000, n'a rien versé. Bipoulou, 460 000, n'a rien versé. Chimanga, 460 000, n'a rien versé. Gambela, 7 590 000, a versé 500 000. Kassavubu, 7 590 000, n'a rien versé. Liberté, 25 300 000, a versé 5 605 000 et doit au FONAC 19 695 000. Sikida, 920 000, n'a rien versé. Matete, 2 300 000, a versé 1 230 000 et doit au FONAC 1 700 000. La sommation de tout, c'est-à-dire pour le mois de janvier, l'ensemble des versements des marchés devait totaliser 76 820 000 francs congolais et l'ensemble de ces marchés ont versé 10 305 000 francs congolais, ce qui fait que tous ces marchés doivent au FONAC 66 515 000 francs congolais. Ça, c'est pour le mois de janvier. Pour le mois de février, avec 24 jours ouvrables, sur 28 800 000, le marché central n'a rien versé. Kato, 4 800 000, n'a rien versé. Liboulou, 480 000, n'a rien versé. Chimanga, 360 000, n'a rien versé.
Gambela, 7 200 000, a versé 100 000. Kassavubu, 7 920 000, n'a rien versé. Liberté, 26 400 000, a versé 1 760 000. Zikida, 960 000, n'a rien versé. Matete, 2 400 000, a versé 980 000. Et le total pour le mois de février, sur 79 320 000 que ces marchés devaient verser au FONAC, ils n'ont versé que 2 840 000, soit ils doivent... Si les honorables députés ayant des questions supplémentaires peuvent se manifester. Monsieur le directeur général, vous pouvez regagner votre place. Et pendant que les gens, les collègues seront en train de se préparer, et conformément aux dispositions de l'article 179 alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'accorde une fois de plus la parole à l'auteur de la question orale avec débat pour ouvrir. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, préalablement, la ville province de Kinshasa a beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'assainissement. J'ai 9 questions à poser. Bon, parfait. Non, je suis séparé. Je me suis d'avoir réagi. J'ai retiré ma réaction. 5 questions. Après, vous allez dire que le président m'avait empêché. On a retiré 9 questions, s'il vous plaît. Et je voulais que vous sachiez que si cette ville n'est pas assainie, nous aurons du mal à faire réunir tous. Je vous le dis, tous. Ok. Merci, président. Monsieur le directeur général, qu'en est-il de la gestion quotidienne du FONAC? 2. Par quels moyens et mécanismes FONAC génère-t-il des recettes auprès de la racine et des autres partenaires? 3. Quel est le plan d'assainissement réel du FONAC? 4. Quelles sont les personnes physiques et morales? 5. Quels sont les différents partenaires du FONAC de l'époque? Le gouverneur honoraire André Kimbuta jusqu'à ces jours. 6. Expliquez-nous comment le FONAC opère pour financer l'assainissement dans la ville de Kinshasa, si possible avec quelques exemples concrets. 7. La racine reçoit régulièrement des opérations de fonds pour financer l'assainissement dans la ville de Kinshasa. Où en sommes-nous avec les dernières recommandations de l'Assemblée provinciale lors de votre dernière interpellation ici à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Énumérez les différents fonds et recettes ou entrées que le FONAC a reçu depuis l'arrivée du gouverneur honoraire André Kimbuta en 2016 jusqu'à ces jours. Merci. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable d'agisser et mes chers collègues. Avant ma prise de parole, je remercie l'honorable Moukébaï pour l'occasion qui nous a donné de pouvoir placer un mot sur l'assainissement de la ville de Kinshasa. La première question, monsieur le directeur général du FONAC, vous venez de nous renseigner que FPI, OGFM et OCC se dégager définitivement à payer les contributions qu'elle a louées au FONAC. En effet, je voudrais savoir sur les partenaires entre ces trois entreprises de l'État et la ville de Kinshasa étaient couvertes par un texte juridique ou un protocole d'accord fixant entre autres le droit et l'obligation des parties au contrat ainsi que les modalités de
de résiliation peut le voir et le cours permettant dans le cas d'espèce à la ville de Kinshasa de tenter d'obtenir réparation de ses droits. Deuxième question. Monsieur le directeur général, où en sommes-nous avec le décaissement des appuis budgétaires du pouvoir central offert à FONAC? Le PCCO pour les travaux d'assainissement de la ville de Kinshasa. Troisième, monsieur le directeur général, comment nous entrevoyer l'avenir de FONAC sans contribution financière de l'OCC, FPI, Projet Frein, BCECO et par rapport à l'interdiction des activités du secteur des sachets ou produits plastiques dans la ville de Kinshasa? En dessous du paiement de ces entreprises dans les réalisations de FONAC, est-ce qu'il y a encore intérêt de garder le FONAC dans son statut actuel ou bien il serait judicieux de faire la FONAC une simple direction au sein de la CASPIM? Vos éclaircissements techniques nous aideront à participer aux événements que le formule, les cas échéants de réforme et entreprendre sur les maintiens pour la dissolution. Honorable président, en vertu de l'article 71 de notre règlement intérieur, je souhaite m'exprimer à l'unanimité. Le procureur général, Maléleki Tozalaki Naïo, na cadre à contrôle parlementaire. Et puis, tout cela qui au courant que, selon ma étude sur l'assentiment, il y a ville et 12 millions de dollars par mois pour ville et à la porte. On trouve un gars et ça dit pour Bané Kinshasa. Bayeba, 12 millions et Zambon au Pébélé. Politique mini entier en place pour mobiliser 12 millions de dollars chaque mois et puis politique mini entier en place pour gérer 12 millions de dollars qu'on a fait et ça l'a toujours propre. Yangoana, pour ceux qui totalisent bien 12 millions par mois, les autres ont 400 000 dollars par jour. On n'a pas évacué ville de Kinshasa. Ville de Kinshasa, on a été qu'à commune à Kalamu, commune à Kassagoubou, ou bien commune Moussoussou. Mais il y a 24 communes qui ont surtout pour l'évacuation, il y a Baïmonis. Il y a un gars qui a fait son rail par réponse. Voilà. Je dis merci. Ma préoccupation est la celle-ci. La seule préoccupation que l'on se pose, à savoir si la FONAC sont unis. Bon, en allant plus loin, amener la question. Je reçois à la question. Suivez, chers collègues, je vous ai dit que nous avons deux grands défis à relever. C'est l'assainissement et la voirie humaine. C'est vrai que jusque-là, nous sommes dans les bons, parce que nous n'en avons pas réussi des moyens. Mais maintenant que l'économie reprend, nous devons relever ces défis. Collègues. Ma question est celle-ci. Je ne vais pas à combien chiffres-tu les sources de FONAC allouées directement au bourgmestre pour l'assainissement régulier de son commune, restrictive. Continuez, chers collègues. Continuez. À combien chiffre-t-il les ressources FONAC allouées directement au bourgmestre pour l'assainissement régulier
de nos communes respectives. Très bien. Deuxième question. Ma deuxième question, elle est celle-ci. Pourquoi les activités du FONAC et même celles de la Rasquille ne racontent que quelques communes ci-dessous, que je cite, Baroukou Gombe, commune de Kinshasa, Bandalongwa Mirigé, Lingwala. Non, il ne faut pas citer Bandal. Bandal, c'est Paris. Continuez, c'est vrai. Lingwala, Kassavubo et Kalama. De ce fait, comment justifiez-vous la discrimination à l'injustice à laquelle d'autres communes ne bénéficient pas? Troisième question, collègue. Moi, je suis des Tcham, précisément. Vous voyez la Tchamponade là-bas? Oui, je ne vois pas. Merci. Je ne vois pas. Il n'est pas actif. Voilà. Ma troisième préoccupation, elle est ci-dessous. Pouvez-vous nous éclairer comment la société ou les partenaires Manikanza a-t-il été sélectionné pour votre structure FONAC et en respectant les procédures légales prévues pour la loi sur les marchés publics? Très bien. Je chute pour l'instant. Merci beaucoup, honorable Joseph. Je chute pour l'instant. Oui. Comment faites-vous? Comment faites-vous l'auto-évaluation des activités liées au financement des projets en rapport avec l'exécution du programme Kinropeto dans le secteur financier et technique des missions assignées au FONAC? Voilà, c'est ma toute dernière question. Merci beaucoup, cher collègue. Merci. Je crois qu'il est déjà annoncé. Honorable payé par l'honorable Isani Malima. J'ai juste deux préoccupations, je l'ai exprimé dans les réponses comme dans l'exposé de DG du FONAC. La première, je l'ai exprimé de sa réponse, la première question que l'honorable Mike a posée dans sa question orale, de donner la liste exhaustive de partenaires et services qui alimentent le fonds national, le FONAC. Mais à l'entendre, il n'a cité que trois. Est-ce qu'il n'y a que trois organes publics qui financent le FONAC? La première question. La deuxième est que, dans son exposé, il a démontré que malgré la situation difficile que l'économie mondiale, l'économie congolaise ainsi que kinoise, précisément subit, des effets du Covid-19, mais ces mobilisations apportées au niveau de la racine, mais la racine continue à se plaindre de manque de moyens pour atteindre ces assignations. Ma question elle est de savoir qu'il puisse nous préciser quelle hauteur que la FONAC, que le FONAC participe à, comment, à quelle hauteur le FONAC finance la racine par rapport à ces assignations, c'est-à-dire assigner la ville de Kinshasa. Parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues. Honorable président, j'aimerais poser une question au DG du FONAC. Il a cité
fait, moi, je veux m'inspirer de ses réponses. Il a cité le FPI, il a cité l'OCC, il a cité l'OGM. J'aimerais savoir s'il a oublié la BCECO et s'il a oublié les pratiques. Donc, s'il peut nous donner la liste détaillée des différents partenaires. Ça, c'est ma première question. Pour la deuxième question, honorable président, je veux m'exprimer en gala aussi, un peu comme honorable. Parce que si nous nous adressons à la base, nous nous adressons à la population quinoise. Et la population qui se plaint des problèmes d'assainissement, elle serait plus aisée de s'adresser à eux en gala. Honorable président, le DG du FONAC nous dit que sur la taxe d'étalage, il perçoit 110 francs. Là-bas, marché nous sous-sous à Zouzouambongo, là-bas, marché nous sous-sous à Zouzouambongo. Là-bas, marché Olo à Zouzouambongo. Nanga Kinaïba. Quel est le mécanisme qui met en place pour contraindre ceux qui ne versent pas de l'argent depuis toute cette période? Puisque nous pouvons comprendre que les millions de francs congolais qui nous citent ici, c'est beaucoup d'argent perdu. Alors j'aimerais savoir, mécanisme ligne, il met sur pied pour pouvoir récolter ces montants qui ne sont pas versés. Et j'aimerais savoir, pour la Bambongo, il y a déjà à Persevaka. La réalisation de l'AEA Toyo qui va montant. Toyo qui n'a marché tel et Pessali 3 millions. Marché à liberté à Pessali n'est plus que 6 millions. Marché Boé a fait ça qui donc attaque par montant Boé à Zoa. Maintenant, à niveau de la réalisation, en fait, au qui milité à exhibition, on a niveau à assainissement à ville à Kinshasa, voilà la réalisation dans le marché. N'a évacué à la carte à marché une fois par semaine ou deux fois par semaine. À ce que ça fait, une fréquence, il y a assainissement, il y a marché. Il fallait éclairer, disons, c'est à quelle fréquence? C'est une fois par semaine, il perçoit combien. Donc comment il s'organise en fait? En fait, au niveau de la réalisation d'ailleurs, ce n'est pas clair. Parce que quand nous allons au niveau des marchés, plus ou moins, apparemment, c'est une fois par semaine qu'ils assainissent. Tandis que nous en avons besoin, après ça, sur le détail de la réalisation d'ailleurs. Nous avons qui 1 million de francs congolais. Dans sa réalisation, autant bien appeler ça qui rasquine autant, voilà parce qu'il a enseigné une ou deux fois par semaine, ou bien une fois par mois. Tout ça, on a besoin de la réalisation de la EPAWA et que permettre aux populations qui noires et comprendre peut-être que FONAC a ça, peut-être Moussala l'est correctement ou pas, ou bien FONAC a ça quand même dans la difficulté parce que, alors qu'on ne peut pas recouvrir un peu comme sous-souté. Donc ça doit être un peu plus clair. Qu'ils puissent vraiment insister sur les réalisations du FONAC. J'ai dit merci. Et d'ailleurs, il s'en passe. Il y a un peu de temps, il s'en passe à l'extérieur. Mais tout le monde a un souci, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Parce que il s'en passe à double souci. D'abord, en tant que banque à l'extérieur, et deuxième souci, la question de 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 la économie de la question 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 de la. Merci, honorable président, pour la parole. Quels sont les moyens de pression que vous auriez à avoir pour les contraindre à payer? Nous devons vivre dans un milieu assaini. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On parlera des industries brassicoles, tabassicoles, bien sûr, de papier et autres, même des garages avec l'huile qui se déverse sur la chaussée, etc., etc. Je suis resté sans réponse à tout cela. D'où la question, quelle est l'efficacité du FONAC? Si vous dites devoir 76 millions de francs et qu'en réalité vous n'avez que 10 millions. Ma collègue Lisa qui vient de passer a posé la question de savoir quels étaient les mécanismes de pression pour récupérer cet argent.
Si vous n'en avez pas, alors, comment vous allez mobiliser? Moi, je veux savoir. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour mettre la pression et mobiliser? Vous n'avez aucun pouvoir sur les gestionnaires de marché. En plus, il y a une nouvelle régie qui est en place, la régie LK, qui est aussi chargée de la gestion de marché. Comment vous allez faire réellement? J'ai peur de répondre à la question parce que je me rends compte de l'inefficacité, vous êtes manager, président, l'inefficacité des structures qu'on multiplie, qui se font, qui se mettent dans la ville, en sachant qu'ils doivent se partager le même gâteau. Alors, le calcul est très simple. Si nous sommes 10 à nous partager un petit gâteau, nous n'aurons que des miettes. Est-ce qu'avec des miettes, on va réussir? Je demande ici, pour casser ce fantasme, qu'on réfléchisse autrement pour assainir la ville. Quel est le coût? Est-ce que les mécanismes qu'on a mis en place sont-ils efficaces, efficients? Est-ce que Fonac peut jouer ce rôle? Est-ce que Fonac joue ce rôle? Si la question est oui, trouvons des mécanismes, on dit ok, voilà, voilà, voilà. Si c'est non, passons à autre chose pour que nécessairement à l'Assemblée, on n'ait plus à inviter pour une troisième fois, président, que vous convenez avec moi, le prochain, l'actuel DG de la Fonac, s'il était toujours là. Mais il est resté quand même une petite question. C'est de savoir si, malgré les maigres moyens que le Fonac peut mobiliser, si les agents même du Fonac sont payés, est-ce que ces agents qui travaillent ont-ils de l'état de salaire? Est-ce que nous ne trouvons pas ici ce que nous disons au management, que l'objet est devenu la principale ressource? C'est-à-dire, on ne mobilise pas assez pour assainir, mais on a assez pour vivre, pour fonctionner, pour payer des salaires. Donc la mission, ça s'appelle déplacement des missions. La mission est devenue que nous puissions vivre, mais pas le travail qui nous a été confié n'est toujours pas fait. Ça peut être légitime qu'on paye les agents parce que la pression est immédiate, elle est directe, mais in fine, les attentes de la population ne sont pas rencontrées par justement modicité de moyens. C'est pour cela, monsieur le directeur général du FONAC, je verrais s'il vous plaît, vous connaissant et sachant que vous êtes un patriote, un Congolais, un Guinéen, comme nous tous, vous voulez aussi que cette ville soit assainie. D'où mon interpellation de cet après-midi. FONAC, sous cette forme, avec les textes qui le régissent, est-il un outil qui pourra nous apporter une réponse pour l'assainissement de la ville? Est-ce que FONAC seul, avec le mécanisme juridique, le mécanisme administratif qu'il y a ici, pourra-t-il porter ou apporter la solution? C'est de cette question dont il s'agit ici. Si vous répondez à cette question, vous aurez éclairé l'Assemblée jeudi. Président, je pense que moi, c'est une motion d'information. Rien à voir avec ce que le collègue vient de dire ici. Président, je pense que vous êtes les patrons de cette institution. Ça fait plaisir de voir les collègues en train de pernicher ici quand on sait clairement. Mais moi qui vous parle, là, j'ai été attaqué par un collègue ivrogne qui est dans cette salle. Collègue, est-ce que vous pouvez retirer chercher notre mot? Je sais que vous avez grandi en Europe. Merci, président, je retire. Merci beaucoup. Si aujourd'hui l'honorable Jacobo va chez le gouverneur, il joue au tennis, il mange le foufou. Je rappelle ici au Kinoa que je connais. Lui au moins il y va des jours. En plein jour. Lui au moins il y va des jours. Je me suis bien rappelé au Kinoa, je connais le gouvernement Mobila, ça fait plus de 30 ans. On ne va pas aujourd'hui éradiquer nos amitiés à cause des gens qui sont animés de mauvaise foi, de la grosse haine. Et ces mêmes collègues ont le courage, à bras le corps, dire à la télé que moi je suis, je viens à la première que quand il y a paix. Et je rappelle au Kinoa qu'il n'y a jamais eu paix à l'Assemblée. Nos émoluments sont transférés sur nos comptes. Et je mets en garde ces collègues. Comme il est habitué à passer son temps à la télé, à l'Égypte, il a cru
rêveur que moi j'ai beaucoup, je préparais pour le propulser. Il a été élu sous l'impulsion de l'amour que j'ai beaucoup de respect. Moi, quand j'ai été en prison, arrêté illégalement pour un message au WhatsApp, un message privé, je répète. Et je répète ici que je suis le mieux élu de la ville province de Kinshasa en étant en prison. 35 857 voix. Moi, j'ai donné le seuil à mon parti politique, il est parce que j'adore. Moi, je comprends, j'ai attiré un député de mon parti. Je le dis avec fierté. Monsieur le Président, le Président, j'aimerais bien que le comité de sages prenne ce dossier en main. Ça devient comme un petit jeu de guillemets, comme disent les Québécois. Les collègues passent à la télé, insultez votre collègue gratuitement. Il est allé en prison en disant qu'il y a un honorable président qui m'a donné 250 dollars pour que je protège, pour que vous restez là où vous êtes. Je vous ai protégé avec véhémence parce que vous n'aviez rien fait. Je n'ai pas protégé une polygonée, mais j'ai protégé la vérité parce que vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Et prochainement, monsieur, honorable président, et je prends à témoin le président du comité de sages, honorable Samba, qui est là, de faire son travail. Prochainement, ce sera la justice qui va régler ce genre de choses ou ce genre d'imputation de l'argent. Président, je dis merci. Abstenez-vous de vous attaquer aux députés de cette assemblée. Moi, il m'est interdit d'élever les immunités des députés, je ne le ferai pas. Mais quand vous commencez à attaquer l'Assemblée, si la première m'autorise, je vais lever vos immunités. Mais je ne vais pas encore en arriver là. Nous allons saisir le comité des sages. Ce n'est pas la télé qui fait des politiciens, non. Moi, je ne suis pas ça. Moi, je considère que mes oreilles ne sont pas une poubelle dans laquelle chacun peut venir déposer ses déchets. Et évitons de nous attaquer dans les médias, ça ternit l'image de notre assemblée. Donc le président du comité des sages peut saisir de la question. Avec votre autorisation, est-ce que nous pouvons rentrer dans les sujets qui nous concernaient? Ah, honorable Philippe, vous ne saurez pas, lorsque vous vous attaquez à une femme mariée, donc vous voyez que ce que ça va faire pour son appui. Oui, honorable président, où nous parlons des choses sérieuses qui sont dans notre vie. Quand on insulte à la télé, je ne sais pas sérieux. Si on vous insulte aujourd'hui à la télé gratuitement. Je ne parle pas de vous. Mais si je veux. Non, non, je. Est-ce que vous. J'ai terminé. Collègue Philippe, je vous protège. Je vous protège. Comprenez l'émotion de l'honorable Jiboko sur cette ville. Regardez. Si cette ville, l'honorable Jiboko n'est pas n'importe qui. Souffrez qu'il y réagisse, mais on ne faut pas nous écarter de la matière. Moi, je vous protège. Continuez avec vos conseils sages. Nous allons tenir compte. D'ailleurs, on va pour les cas sous examen, vous serez au comité des sages pour aider le président. Okay, merci. Je vous retourne la parole. Merci. Donc, je constate que, chef, on a béni il y a. À un moment donné, on suit l'ordre du jour. À un moment donné, il y a une digression. Et je voulais demander, honorable président, que pour les digressions, on puisse peut-être demander un huis clos, afin que nous puissions continuer la matière et que nous puissions chaque jour terminer l'ordre du jour qui a été établi. Je vous remercie. Merci pour la parole, pour des réponses qui afférent. Les conseils seront suivis, hein. Il y aura un huis clos. Honorable Philippe. Honorable Philippe. Oui. Mais vous êtes trop haché, même. Je viens d'enregistrer une cinquantaine de questions, toutes pertinentes, qui demandent que je puisse répondre en toute humilité, en toute simplicité et dans le moindre détail. C'est pour cela que je sollicite
un délai de 72 heures pour pouvoir répondre de manière responsable. Honorable député, mais nous avons les contraintes financières de CDG. Nous n'avons pas la possibilité d'aligner des plénières en une seule semaine. Donc, au lieu des 72 heures, nous sommes aujourd'hui lundi. Donc, vous allez vous représenter ici les 17 à 10 heures. Et organisez-vous pour que chacun des députés ait déjà ses réponses écrites 48 heures avant la plénière. Collègues, nous pouvons adopter cela ensemble. Bougez pas, donc, dans la chambre. Permettez-moi, il y a eu une digression ici. Tout à l'heure, mon ami Jérémy Dicala m'a appelé à la réserve, mais je me sens un peu obligé de placer un mot. C'est bien de certains qu'on ait annoncé ça, aussi des collègues députés qui ont fait de leurs assistants parlementaires des snipers dans le ça, on est des snipers contre. Et j'ai aussi, moi aussi, des propos à charge de ces gens. Donc, on ne vient pas s'obtenir. Quand soi-même aussi, on fait des choses dans le même sens. Okay. On n'a pas le choix de ça. Oui, oui. J'emmènerai ces éléments devant le comité des sages. Merci. Parce qu'on a l'impression que quand on est les premiers à se plaindre, on a raison. Non. Okay. Donc, honorable président, je crois que vous m'avez écrit récemment, me demandant d'abord d'examiner la question fondamentale. Et que par la suite, nous allions passer à la question orale avec débat adressé au gouverneur. Il y a un impératif de délai qui s'impose. J'ai l'impression que quand vous envoyez les débats d'aujourd'hui à lundi, c'est que vous m'emmenez, moi, à attendre plus longtemps. Et quand viendra le moment, le temps de réintroduire et le temps que vous adressez la question orale avec débat au gouverneur, nous serons déjà pendant les vacances. Je ne l'explique pas, mais je crois que vous aurez dû tenir compte de cet élément parce que vous m'avez écrit. Si vous attendez ici 7 jours, ça signifie que moi, je dois attendre 7 jours, nous serons au 7. Et 7 jours, à votre niveau, pour adresser la question orale avec débat au gouverneur, et les 15 jours qu'il a, nous arrivons donc à la fin du mois. J'ai l'impression qu'ici, il y a une tentative délibérée d'éviter cette question-là. Généralement, nous avons toujours remis à 48 heures. Je suis même étonné que les DG de FONAC demandent 72 heures. Généralement, nous avons toujours envoyé à 48 heures. Et aujourd'hui, il y a un prétexte que les DG font des fois et on va à 7 jours. Je pense que. Moi qui prévoit qu'on peut accorder un délai, un report. Et lorsque vous dites que nous avons toujours accorder 48 heures, vous avez oublié qu'il y a moins de 4 semaines, nous étions avec vous dans cette salle. La même logique a été appliquée à la dame, l'ancienne chargée d'édition du marché des machines à la main. Donc ça c'est récent. Pour elle, c'est encore une semaine juste pour des raisons de contraintes financières. La plénière nous coûte 10 000 dollars. S'il vous plaît, collègues, on va vous désorienter. Je vous ai demandé de changer de consultant, mais vous ne me comprenez pas. Donc c'était dans cette salle où vous étiez là. Non, non. Je vous dis que nous étions dans cette salle. Je vais soumettre la question aux femmes, mais je préfère vous donner les informations. Nous devons éviter de l'émotion lorsque nous traitons des questions étatiques. Dans cette salle, nous vous avons expliqué que nous avons des contraintes financières, nous n'avons pas les moyens de convoquer des plénières par semaine. Ça a été dit. Et c'était fait avec la dame qui a géré le marché des machines à la banque. Donc, on a de la liberté. Merci. Donc, il n'y a rien qui change aujourd'hui. Lorsque les gens posent plus de 50 questions et on nous dit que. Et il faut un report de 72 heures. Nous n'en avons pas les moyens, nous. On n'en a pas les moyens. Donc nous avons, honorable député, chers collègues, je vous présente les difficultés que nous avons. Si nous avons fait des semaines sans tenir nos plénières, c'est parce que nous n'avons pas les moyens financiers pour le faire.
Je vous informe que chaque fois que nous avons été payés, nous ponctionnons sur la rémunération de l'exécutif. Parce que les recettes n'atteignent pas l'enveloppe salariale. Et je suis très élevé, j'ai suivi des collègues qui ont parlé des réalités de la gestion. Bref, c'est ça notre position, nous au niveau du bureau. Nous sommes en difficulté de convoquer une plénière avant lundi parce que nous n'en aurons pas les moyens. Qu'est-ce que vous pensez, chers collègues? Alors, c'est ça, c'est ce que j'attends de faire. Mais il faut que je m'explique. Nous, au niveau du bureau, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des plénières pendant cette semaine. Faute de moyens. La seule possibilité pour nous, c'est d'en avoir les lundis. C'est ainsi que je soumets cette question à la plénière. Il n'y a personne qui va être invité déjà ici. Ça, ce sont les réalités de la gestion. Nous n'avons pas cet argent-là. Donc, je voulais savoir qu'en pense la plénière. Nous accordons les délais de 3 jours ou bien d'une semaine comme nous l'avons demandé fort de moi. Nous commençons par ceux qui pensent que nous pouvons accorder. Donc, pour les délais de 3 jours. Qui pense qu'on peut mettre ça le lundi? Le rapport est accordé et la prochaine plénière aura lieu le lundi 7. La plénière en a décidé. D'une semaine est accordée à M. le directeur général du FONAC pour préparer des éléments de réponse aux différentes préoccupations soulevées par les honorables députés. Cela étant, je demande à M. le directeur général de prendre congé de nous. Honorables députés, chers collègues, maintenant que les délais a été accordé au DG du FONAC. Na sengike alobi ke ba marché belé ba foute mbongote ma reconnaître un peu que ba marché mususu futié ba mbongo mususu to na besoin ba réalisation na yé parce que comme na lobi on intervention na nganga la zo mona na nga ba marché o eza pena sili comme te donc to na besoin yé la besoin ba réalisation azo ka ne fiske combien et puis asa yé la ka asa de la kanango nini de besoin na biso ya ngwana. Je vais vous expliquer la population parce qu'elle sera fait par forme. Au moment où je fais une intervention, ils appellent une liste à ma partenaire, M. Sobosanaki, et vous allez bien temps répondre à éclaircir M. Kotewana. Ce qu'on a marché à Selemba, où est-ce que. Parce que vous avez dit à Selemba. Vous avez marché à Selemba, vous avez dit, parce que apparemment, vous avez installé ma carte. Nous avons déjà marché à Selemba. Selemba, vous avez marché. Il faut bien avenir à Selemba, parce que c'est un marché. Depuis toujours, la pour qu'un marché municipal soit construit à niveau à Selemba, toujours continuer pour relancer. Dans le niveau à Selemba, ils ont moins passé à Kolobake. Moi, gestion mon bouzard, la pour ils ont moins babalabala. Mais c'est quoi la réalité? Donc il fallait d'abord à niveau à Selemba, on va trouver des solutions. Le niveau d'abord, ils sont plutôt sur Wendy. Nous avons déjà na wendi. Le niveau à Selemba va construire sur wendi. Toujours continuer ko yebisa gouverneur à ville à Kinshasa. Toujours continuer ko yebisa gouvernement national va s'impliquer na ba construction ya ba marché du moins na ba commune oyo baza atane fiske na wendi té. Na Selemba to na wendi té. Donc au benga ngoku tu wendi té lo ba ba balabala oyo té karabilo ko na Selemba. Résumé nous avons pensé.
Ma Mission TV, le miroir du monde.